Tente, caravane ou bungalow, bienvenue au camping. Partout en France, c'est un hébergement de plus en plus prisé. Plus de 108 millions de nuitées en 2013. Un succès qui s'explique facilement. Les gens veulent partir en vacances. Mais c'est vrai que dans l'idée de partir sans payer trop cher, le camping, c'est la meilleure solution. Mais aujourd'hui, le camping, ce n'est plus poser sa tente sous un arbre. C'est aussi beaucoup de services supplémentaires. Des bungalows, une piscine, un terrain de pétanque et parfois bien plus encore. On a un ponton avec une vingtaine d'emplacements pour bateaux. Donc au même titre que les bungalows, on loue les amarrages à la semaine. Des services de plus en plus proches de ceux d'un hôtel, si bien qu'on parle d'hôtellerie de plein air et qui ne séduit pas uniquement les habitués du concept. En fin d'année, quand on fait nos comptes, on constate qu'il y a toujours une petite augmentation quand même. Malgré des réservations en recul pour cet été, les gérants restent confiants. Depuis plusieurs années, le camping est complet.